Alors, je vais vous préparer un burger pour la première fois. Grand et délicieux. Un burger facile. Je n'ai jamais cuisiné de burger dans ma vie, mais je serais très heureux de commencer. Heureusement qu'avec l'aide de mes griffes, je peux facilement ouvrir le pot. Un petit poisson dans mon burger qui remplacera la viande. J'aime plus le poisson. Pourquoi t'as besoin d'une couteau? T'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. J'ai juste besoin de couper la tomate et le fromage. J'adore cette odeur. J'aurais bien mangé. J'en bave déjà. Pourquoi je ne ferai pas un burger sucré? Sur le pain, il y aura des marmelades. De la crème glacée. Oui, je pense que c'est une super idée. Ça va être en forme de cœur. Je vais ajouter des marmelades et bien sûr de la sauce sucrée. Je ferme tout cela et mon burger est prêt. Je pense que Lindsay sera ravie. Ravie? Non, mais de quoi se réjouir? Tu ne manges même pas un burger comme ça. Oh non. Peut-être pas regretter de rire. Je vais te montrer. Ah ouais. Quoi? Ne nous fais pas ça. C'est de la farine. Non, non, il faut pas le faire. Je comprends pas. Je pense que c'est ce qui est amusant. Voilà, j'ai attrapé. Oui, bon, je suis très bien à ça. Bon, monsieur le chat. Non, je mords bien. Oui, bon, il faut arrêter de jouer, il est temps de cuisiner. Je vais commencer par les pains. Je dois pétrir la pâte, c'est pour le pain. C'est parfait. Ensuite, il ne faut pas oublier les légumes qui doivent être coupés en fines rondelles. Et bien sûr, à propos de la viande hachée, je vais faire une viande et la base d'un burger. Oui, je vais ajouter les épices. La sauce est très importante. Il faut le préparer par moi-même. Par la recette secrète. Oh, ça c'est très bien. Il reste à faire les petits pains et assembler mon géant. Oui, un tel burger sera heureux pour tout le monde. Ce n'est pas seulement grand, mais aussi incroyablement juteux et savoureux. Voilà, regardez tout cela. C'est très beau, ça. Je suis sûre que on pourra en manger avec plaisir. Oui, c'est parfait de tous les côtés. Moi, je voudrais bien manger. Et moi aussi, j'en bave déjà. Mais c'est pour Lindsay. Oui, bon appétit. Oh, tous les burgers ont l'air délicieux. Mais bon, à part lui. Non, ça a l'air dégoûtant. Monsieur le chat, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ça pue? Je vais même pas l'essayer. Burk. Oh, j'adore ce burger. J'aimerais bien le manger. Hein? Oh, elle est tellement sucrée. Cool. Et maintenant, il est temps pour ce burger. Il est géant, ça. Oui. C'est vraiment un gâteau burger, quoi. Oui, le goût est incroyable. C'est la victoire, ça. Ouais, j'ai gagné. Je suis le chef et pas bon. Mais n'importe quoi. Ouais, j'ai gagné. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Wow. Oh, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur le chat? J'ai pas terminé. J'ai encore faim, alors préparez-moi des œufs brouillés super appétissants. Oh, d'accord, pas de problème. Oh, c'est facile, moi je vais faire des œufs comme ça. Ça va être un autoportrait. Oh, je vais avoir des yeux jaunes que je vais faire avec des jaunes d'œufs. Oh, je trouve ça drôle.
ça ressemble, ça me ressemblait. Il ne reste plus qu'à ajouter des détails de saucisse, des oreilles, rien, et cravate. Voilà. J'ajoute le saucisson. Et voilà, mon chef-d'œuvre, il est prêt. Bravo, son chef-d'œuvre. Oh, j'adore ce yaourt. Oui, avec ce yaourt, je vais faire des œufs brouillés. Ça va être très original, parce que ça va être comme un dessert. La protéine, le yaourt, et le jaune, ce sont les pêches en conserve sucrée. On dirait un vrai œuf. Super. Alors, je mets les pêches par là, sur le yaourt, et voilà. Je pense que ça y ressemble. Ouais, ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Et moi, je vais faire quelque chose de vraiment cool, hein, avec des légumes en plus. Je veux râper les carottes. Ensuite, je vais tout mettre par là. Et j'envoie tout cela au four. Voilà, c'est terminé. Et ouais, mes œufs brouillés sont prêtes. Maintenant, j'enroule tout, hein. Oui, et sur le dessus, je vais râper le fromage. Et plus il y a le fromage, plus c'est cool. Et c'est fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça a l'air cool. Wow, je suis d'accord. Quoi? Il est où mon yaourt? Oh, je sais qu'il a mangé. Oh non, monsieur le chat. N'importe quoi. Moi, je comprends pas. J'ai faim. Bon, vos plats, ils sont où? D'accord, bon appétit. Alors, enfin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quelque chose de très mignon. Et ça? Chloé, c'est toi qui as fait ça? Pourquoi il n'y a que des jaunes? Alors, je vais essayer. Peut-être que c'est quelque chose de bon. Ce sont des pêches. Honnêtement, j'aime pas trop. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, chef Ethan? Ça a l'air super. Il y a beaucoup de fromage et j'adore le fromage. C'est très bon. J'aime beaucoup. Alors, voilà le dernier. Oh, j'adore ce plat. Ça a l'air super appétissant. Nyon. Oh, wow! Génial! C'est très bon! Monsieur le chat, t'as gagné! Oh non! Comment j'ai pu perdre un le chat? Parce que je suis le seul vrai chef ici, mien. Éloignez ce chien, non! Il fait peur à ma Betty! Ouais, chouchoune! On s'en va! Bon, je vais mettre un panneau pour que ton chien ne s'approche même pas de la cabane de ma Betty! Oh. T'es tellement mignonne, je trouve que ta maison est un peu trop sombre. Non, mais ta maîtresse préférée, c'est déjà ce qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut répandre toute ta maison en rose, parce que nous sommes des filles, on adore le rose. Comme c'est cool? Oui, à la maison, il ressemble à un grand chamallow rose. Mais il manque quelque chose. C'est vrai. Nous devons signifier que c'est la maison de Betty. Alors, chérie, voilà, il faut que tu signes. Oh, j'adore, tu murmures. Oh, mais j'ai oublié le toit. Oh, mais j'ai une idée. Les poissons en papier seraient superbes là-haut. Ma Betty adore le poisson au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner. Et si tout le toit est aussi orné de poissons, c'est un délice incroyable. Alors Bobby, t'es prêt à améliorer ta maison? Je viens d'avoir une idée géniale. Commençons par pendre... c'est où ça? Bobby, merci beaucoup mon pote. Alors, maintenant il faut répandre la maison d'une couleur jaune soleil. Elle est toujours l'air chaude, confortable et gentille. Contrairement à ces gens qui aiment les chats. Et maintenant, je dois prendre le toit d'une manière intéressante.
Oh, la viande, la passion, mon grand-père. Voilà, je pense que je vais faire le même motif. C'est bien fait, n'est-ce pas? Bobby, t'aimes bien? Oh, je vois que t'es excité. Non, mais fais pas ça à côté de l'escalier. Aïe! Ça fait mal. Oh, Bobby. Non, je suis tellement méchant. Ouah, j'ai la tête qui tourne. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre tout cela. Ça a l'air stylé et appétissant. Et maintenant, je vais prendre quelque chose d'important. Voilà, le panier avec des balles de tennis. Bobby les adore. Oh, un peu d'eau. Et j'ai besoin d'un tapis. Comme ça, je pense que c'est tout. Je pense que je pourrais en avoir besoin. Oui, Bobby, viens, on saute. Et regarde ce que je vais te construire. Ça va être intéressant et très sympa. Voilà, j'ai installé les cônes. Un. Deux. Quoi? Alors, vous n'avez pas vu ça. Alors, Bobby, t'es prêt? On y va! Waouh, à quelle vitesse t'as sauté par-dessus de cet obstacle! Et t'as même réussi à passer par-dessus! T'es déjà là! Combien de temps cela t'a pris? Seulement 10 secondes, t'es un chien rapide! Oh, le chien encore il s'en met! La belle affaire! Va falloir que je trouve les distractions pour mon chat aussi! Ouais, c'est vrai! C'est son jouet préféré! Betty, t'aimes les plumes? T'aimes? Quand t'étais en chaton, t'étais folle de ce jouet. Et maintenant? C'est très bien. Maintenant, tu devrais faire un grippoir pour tes griffes acérées. C'est fait. Je pense que c'est beau et très pratique. Oui, un tapis pour les pattes. Mon nounou ne veut pas entrer dans la maison avec les pattes sales. Oh, regardez ce que j'ai, moi. C'est un labyrinthe pour mon chaton. Betty adore ces trucs. Elle adore les boîtes. Et un autre jouet. C'est son jouet préféré. Je vais mettre par là. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été frappée par une balle de chien baveuse. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ouais, prends ta balle. Ouais, les chiens. Bobby, t'as pour de la balle, bon garçon. Non, Bobby. Non, mais t'as sauté sur la dame au chat. Non, on y va avec Betty. Sinon, le chien va tellement être méchant avec nous. Et ceci que pour que tout le monde sache que la maison appartient à Betty. L'intérieur de la maison semble un peu vide. Il a vraiment besoin d'un petit quelque chose pour rendre agréable et confortable. Comment accrocher mon tapis rose tendre sur les murs? Oui, c'est toute autre chose. Il y a un pauvre rose tendre serré parfait ici. Il est tellement doux. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu frappes sur le toit. Il n'y a personne. Éloignez le chien, j'ai tellement peur des chiens, sauvez-moi. Bobby, Bobby. Non. Il t'a rien fait, toi. Alors, voilà, tiens ça. J'ai pas besoin de ça. Alors, Jimmy? Non, mais ça, c'est le colis pour vous. Oh, cool. Alors, je vais déballer tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oui, une nouvelle pad. Ouais, je pense qu'il faut beaucoup de lumière. Alors, si c'est pour Bobby, je vais faire un chien comme ça. La lumière, cool. Alors, des puzzles, le tapis. Oui. Le sol doit être doux. Et par là, ça va être le petit lit. Bobby, prends le poste. Voilà, laisse-moi te couvrir. Et voilà. Je vais mettre tout cela par là, cette médaille olympique. Je mettrai à l'endroit le plus visible, à côté de toutes les autres médailles. T'es le meilleur chien du monde, je t'adore.
avions décidé de faire une maison aussi sympa. Non, mais ça a l'air pitoyable. Je vais montrer comment décorer une chambre de façon sympa, mais pour un chat. Voici des photos de Betty avec moi. Et voici un écran pour regarder des films. Un pouve. Et n'oublions pas la décoration colorée qui apportera de la lumière. Maintenant, voyons si le projecteur fonctionne. Oh, il fonctionne. Je crois que je suis devenue aveugle pendant un moment. Bon, laisse tomber. C'est juste une belle soirée avec mon chat Betty et mes sushis préférés. J'adore passer du temps avec toi. Bobby, regarde. C'est notre partie préférée. C'est très drôle. C'est très cool de s'asseoir avec toi comme ça dans notre stade de séjour. Regarde, c'est Wednesday. Oui, ma Betty. Personne n'a vu mon chat Betty. Betty, t'es où, Betty? Oh non, mais tu m'entends ou pas? Oh, elle s'est enfuie. Je suis une mauvaise maîtresse. Jimmy, aide-moi à retrouver mon chat préféré. Je l'ai pas vu. Peut-être Bobby l'a vu. Sans ça, mon pote. T'as une piste. Vas-y, on y va. Bobby va trouver Betty. Tu l'as déjà trouvé? Qu'est-ce qu'elle fait dans la poubelle? Oh, oui, c'est elle. Oui, non, mais ta maîtresse te cherche. Wendy, voilà, c'est ta Betty. Oh, tu m'as tellement manqué. Merci beaucoup, Bobby. T'es le meilleur chien du monde. Je pense qu'on devrait enlever ce panneau. Alors, on va être amis maintenant, voisin? Bien sûr, t'es tellement cool. Je voulais qu'on soit amis depuis le début. Oh, c'est très mignon. Oh, nos animaux sont amis maintenant. Ils sont tellement mignons. Ces très très amis sont mes amis feront aussi des chambres avec leurs animaux de compagnie. Oh oui, peindre les murs c'est épuisant, je vais dormir un peu. Où est-ce qu'il s'est endormi? Louis, réveille-toi. Oh, vas-y. Oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Réveille-toi. Oh, elle dort. Oh, n'importe quoi. Il est tellement fatigué, je vais pas la réveiller. Je vais mettre une couverture sur Chloé et le faire moi-même. Bonjour, nous avons besoin d'une cabine. Oh, ouais, super. Voilà, elle est déjà dans la pièce. Oh, oui, ça va être notre couleur préférée. Rose. Super. Je pense que ça marche. Oh, mais ça va être encore plus cool si je vais mettre... Ouais, ces trucs-là. Ouais, quelques pattes sur le toit. Voilà. Super. Oui, et c'est fait. Maintenant, il faut que j'ajoute les étagères. Je pourrais y poser mes tasses à cochons, aussi des photos de nous et de Chloé ensemble sur le mur. Nous sommes si mignonnes. Oh, regardez, vous aimez bien ma garde de robe? Ouais. Oh, voilà, j'ai bien dormi. Oh, waouh, Kiki! C'est toi qui as fait tout ça! Il y a tellement de trucs! Oh, oui, c'est super! Oui, oh, il a aimé! Wouf. Tom, calme-toi! Non, mais s'il te plaît! Bon, d'accord, vas-y, va-t'en! Oh, qu'est-ce que tu fais? Oh, oui, non, mais tu vas tout gâcher! Miaou! Ah, la chambre est horrible. Il n'y a pas de place pour moi. Non, mais pourquoi t'as tout gâché? Oh, il va falloir que je change tout, n'importe quoi. Les coussins. Oh, un fauteuil, c'est horrible. Oui, alors. Oh, les pansements sont pour moi, merci beaucoup. Voilà. Et maintenant, je suis prête à te refaire. Voilà, je vais remplacer les coussins, voilà, par la maison pour mon chat. Je vais mettre le plaid. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, voilà, c'est pour toi. Oh oui, tu pourras monter jusqu'à ton truc. Oui, regarde, c'est un petit bol et tu peux te mettre là-dedans. Voilà, un tableau. Et ça, encore une autre maison pour toi. Et voilà, ton ami.
Et bien sûr que j'ai acheté de la nourriture et une petite fontaine. Moi, j'aime beaucoup les oignons. Oh oui, tu es satisfait. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que je fasse quelque chose pour tes toilettes. Super! Oups, Tom, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est ton ami, pas ton déjeuner. Arrête de faire ça! Aïe, Tom, non, on mange pas nos amis. Viens, assieds-toi là. Oh, t'es tellement mignon! Je veux pas être en colère contre toi. Comme c'est cool ces nuages! C'est vrai, Bobby! Oh non, mon hamster n'aime rien! Oh, tu veux que je te caresse? Et si on dansait? Allez, allez! Non, tu veux pas? Et si on dansait au Mexique? La musique mexicaine ne l'excite même pas! Oh, comment faire? Oh, je sais! Je vais te construire un labyrinthe! Tu vas courir à travers, trouver la sortie. Tu vas adorer. C'est fait, hein? Bobby, j'ai construit quelque chose de génial, la maison. Viens, je vais te montrer. Un petit tour guidé. Voilà, regarde tout ça. Oh, wow! T'as fait tellement d'efforts. Oh, j'aime beaucoup. Il y a tellement de trucs, même la piscine. C'est incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui! Je suis arrivée vers le début! Oui, viens, Bobby, tu peux le faire! Oui! T'es satisfait? Alors, pendant qu'il est dans le labyrinthe, je peux décorer les murs. Voilà les étagères et une petite maison. Maintenant, je vais mettre une roue. Oui! Il va courir là-dedans. Oh, je sais ce que je vais faire! Il pourra descendre directement dans le labyrinthe. Alors, Bobby, t'aimes beaucoup? Je vois que t'es ravie, mais ce n'est pas tout. Alors, je vais mettre un peu de poster. Regarde, c'est toi un super hamster. C'est cool, n'est-ce pas? Oh oui, j'adore ces posters avec des hamsters. J'adore. Tadam! Oui, je t'adore. T'as fait une maison géniale et ces tuyaux sont très pratiques. Cool, je m'amuse tellement ici. Je suis prêt à ramper dans le tuyau toute la journée. Oh, ouais. Heureusement que t'aimes beaucoup. Mais vous savez ce qui manque? Un peu d'éclairage. Et par ici, je vais mettre l'avion. Et par ici, je vais faire un ballon. Voilà. Je l'ai soufflé. Et je l'ai mis par là. Oh, comme c'est cool! Bobby, viens, on vole! Oui, mon petit! Ah, oui! Chéri, chéri, tu vas où? Bien! Oh, je t'aime beaucoup! Oh, je pense que j'ai une super idée! T'aimes bien les sables? Alors, je vais faire quelque chose de génial! Je pense que le seau de sable, ça suffit. Et maintenant, je vais avoir des pierres. Super! Maintenant, c'est parfait. Voilà, j'ai mis des herbes. Et voilà, quelques cactus. Voilà! Oh, comme je pensais! Chéri, c'est vraiment parfait pour toi, je pense. T'aimes beaucoup? T'aimes pas? Comment ça? Ouais, je sais! Je vais t'accrocher une balançoire. Si t'aimes t'en ramper sur le mur, laisse-moi le décorer avec des plantes florales et cool. Elles décoreront notre espace vert. Oh oui, ça je vois que t'es satisfait. Alors, t'es brillant de te balancer. Oui, Betty, elle est très cool. Elle a fabriqué la balançoire pour moi, j'adore. Et t'as définitivement besoin d'une piscine. Je l'ai aussi décorée pour qu'elle corresponde à l'environnement naturel. Alors tu te sentirais comme chez toi. Voilà. C'est comme chez toi, chérie. Oh, maintenant, chérie, je vois que t'aimes beaucoup.
Oh, je suis tellement satisfaite.